Voilà. Avant ce que je les mette ici dedans. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas, il n'y est pas, il n'y est pas, il n'y est pas. Et merde. Voilà. Mon ami Alzheimer. Il m'a encore fait une tour de vache. Par contre, j'ai une canne que je ne sais pas où. J'en ai deux. Francis a 72 ans. Il est atteint d'Alzheimer. Une fois de plus. Diagnostiqué il y a 7 ans, cette maladie s'attaque aux cellules de son cerveau. J'ai dit mon ami Alzheimer, mais c'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Puisque c'est lui qui me fait perdre la mémoire, enfin, j'oublie des choses, voilà. Voilà, ouais, ce matin, par exemple, voilà, j'avais ma canne, alors je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà, voilà. Je l'avais hier, et je ne l'ai plus aujourd'hui. Voilà. Alors je l'ai posée quelque part, quelqu'un l'a ramassée, et peut-être que je la reverrai, peut-être que je ne la reverrai pas. Voilà. J'ai pas de mémoire. Qu'est-ce que vous oubliez alors? Mais le présent. Le présent. Ce matin, d'hier. Ce que je fais, comme il disait l'autre, je suis en pleine conscience. Après, je peux oublier que je l'ai fait. Mais je m'en suis rendu compte quand même, au bout d'un moment. Je dis, putain, mais tu fais 2 fois la même chose, là, c'est pas, ça va pas. Ça va, Francis? Non. Ah. Il y a un mois, cet ancien agriculteur a posé ses bagages près de Dax, dans le village Alzheimer, dédié à ceux qui sont atteints par cette maladie. Qu'est-ce qui vous met en colère? Après la canne, il dit s'être fait voler un gilet. Et je comprends que ce gilet, il est important pour vous. Je l'ai porté 2 fois. Eh oui. Et c'est le cadeau de ma compagne. Ah, d'accord. Merde. Oui. Je comprends, c'est normal d'être en colère. Oui. Mais... J'ai pas dormi, hein. On va peut-être le retrouver. Oui, peut-être. Bon. Il réalisera quelques jours plus tard qu'il n'avait jamais apporté ce gilet au centre. J'allais pas le trouver, hein. Il était où? Chez ma compagne. Vous l'avez pas volé, alors? Eh non, mais non, mais alors, mais c'est fou, ça, hein, vous voyez. Alors ça, c'est Alzheimer. Fini. Mais je l'ai posé là, j'ai eu honte, mais bon. C'est la maladie, hein, c'est pas volontaire, hein, et bon, comme ça, bon, ça c'est... Bon, ça y est, c'est cadré. Comme Francis, 1 200 000 personnes seraient atteintes d'Alzheimer en France et près de 7 millions en Europe. En 2050, ce chiffre pourrait doubler. Comment accompagner au mieux les victimes de cette maladie incurable? Près de Dax, dans les Landes, on expérimente une approche inédite, inspirée des Pays-Bas. Depuis 2020, les malades sont accueillis dans ce centre pensé et construit comme un vrai village. Avec sa place centrale, ses commerces ou son cinéma. Un air de vie normale et de liberté dans un lieu discrètement sécurisé. Pendant 5 ans, l'impact de cette expérimentation grandeur nature sera étudié par les chercheurs de l'INSERM. Merci pour les points. Leurs résultats pourraient déterminer la prise en charge future des malades d'Alzheimer en France et en Europe. Je commence à voir d'ici. Village landais Alzheimer. C'est quand même grand, hein? Valentin était infirmier en région parisienne. À 28 ans, il s'apprête à découvrir une toute autre façon de soigner cette maladie. Allez, c'est parti! Il vient d'être embauché au village, c'est son premier jour. Valentin est accompagné par Gabriel, infirmier ici depuis l'ouverture. Donc il y a les quartiers. Il y a des codes couleurs, bleu pour la côte atlantique, vert Haute-Lande. Première surprise, aucun soignant ne porte de blouse blanche. Tout ce qui peut rappeler l'hôpital est discrètement effacé. Par maisonnée, il y a 2 maîtresses de maison. Donc on ne dit plus être soignant, ou auxiliaire de vie, tout ça. On dit des maîtresses de maison. On est un infirmier par quartier. Chaque jour, Valentin s'occupera de 4 maisons comme celle-ci. Vas-y, je t'en prie. Il y a la cuisine. Donc c'est vraiment comme à la maison. Il n'y a rien qui ressemble à une institution hospitalière ou quoi. C'est vraiment... Rien que la cuisine soit accessible, les couverts, le lave-vaisselle, les plaques, c'est des plaques, je ne sais pas. Voilà, des plaques de cuisson, tout est... Voilà, c'est comme à la maison. Ça, c'est vraiment inédit. Rien n'est fermé, les villageois ont accès. Voilà, ils sont libres d'aller, ils sont chez eux. Bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames. Voici Valentin, un nouvel infirmier. Valentin aura une trentaine de personnes à charge, notamment des malades précoces, comme Laetitia. C'est Valentin, du coup. À 40 ans, elle est la résidente la plus jeune du village. C'est vous qui vous êtes préparé l'assiette, Laetitia? Oui, c'est ça. Non, je viens juste d'arriver à la maison, donc... En France, environ 33 000 personnes de moins de 65 ans sont diagnostiquées Alzheimer précoce. Où est-ce que vous voulez aller, Mme Barouillet? Me reposer. Vous voulez aller vous reposer? Oui. Mais cette maladie touche davantage les aînés. Une personne sur 5 chez les plus de 80 ans. Allez, je l'amène à se reposer, hein? Elle va aller dans sa chambre, on va l'amener à se reposer. J'ai toujours voulu travailler auprès d'une population de personnes âgées. Dès l'obtention de mon diplôme en 2015, j'ai commencé à travailler à l'hôpital en service de médecine aiguë gériatrique en région parisienne, à Pontoise. Quand j'étais à l'hôpital, j'essayais de gagner du temps sur la moindre chose. Tu dois faire tous tes tours de médicaments à heure régulière. Ta journée, elle est très vite remplie. Là, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est découvrir un lieu de vie totalement inédit. On a l'impression que c'est vraiment leur maison, que c'est pas juste un établissement comme un autre où ils sont là parfois par dépit. Mais là, pour l'instant, en tout cas, je suis ravi de ce que je découvre. C'est plus le même regard qu'on a. C'est plus le même regard. Donc voilà, comme je te dis, on a fait le tour. Okay. Voilà, le soin relationnel, c'est hyper important. C'est vrai que ça change totalement de ce qu'on est habitué à rencontrer dans une structure de soins, tu vois. C'est ça. Le côté, on prend plus le temps. Et du coup, le relationnel est mis en avant, c'est quand même... c'est étonnant, enfin, c'est différent. Le soin relationnel, c'est le pari du village Alzheimer. Cette présence... cette disponibilité diminuerait l'agressivité, l'anxiété et l'agitation. Salut. Patricia est aide-soignante. Après l'équipe de nuit, c'est elle qui veille sur les 8 résidents de cette maison. Tout le monde dort, je pense. Vu que c'était tout noir, ça veut dire que tout le monde est dans sa chambre. Donc, tout est calme. Les déménagements de la nuit... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui sont réveillées... On a notamment un monsieur qui déambule la nuit et qui traficote un peu pour s'occuper, pour s'apaiser, puis après il repart se coucher. Donc on range un peu le matin quand même. Patricia s'occupe des résidents et de l'entretien du logement. Elle est ce qu'on appelle ici une maîtresse de maison. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour Louisette. Je peux venir? Mais oui, c'est Patricia, ça va? Ça y est, voilà. Allez, alors, un peu de jour. Il pleut, hein, il pleut. Oui, allez. Bon. Louisette? Oui. Après, vous pouvez venir prendre le petit café, le petit déjeuner. Ah, bon. D'accord? Après, oui. Hein, je vous attends là-bas. Nicole, vous avez bien dormi? Vous avez bien dormi? Moi? Oh, bah, je dors toujours. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, mais c'est bien. Oh, c'est incroyable. Les résidents prennent leur repas à l'heure qu'ils veulent. Patricia discute avec chacun, sans jamais regarder la montre. Une petite révolution pour elle, qui a passé ses 20 dernières années en EHPAD. À la base, je suis partie dans les personnes âgées complètement par hasard. J'ai débuté en tant que lingère dans l'EHPAD. Et d'ailleurs, il y avait une petite dame qui m'appelait tous les matins, qui avait sa chambre à côté de la lingerie, et très angoissée, qui m'appelait tout le temps, pour que j'aille me la voir, m'occuper d'elle. Et je me disais, bon, mais comment je peux m'en occuper efficacement en faisant des choses correctement? Donc, j'ai demandé à être formée pour ça. Et du coup, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça vraiment... que je suis bien là près d'eux. Et ensuite, la maladie d'Alzheimer, parce que c'est quand même riche dans l'accompagnement. On recherche, on est tout le temps en recherche de comment faire pour qu'ils aillent mieux, comment répondre au mieux à leurs demandes. Voilà. Bonjour. Vous voulez que je vous aide ou vous faites toute seule? D'accord. Vous faites toute seule ou je vous aide? Oui, non, non, je peux. Allez-y, voilà. On vous laisse tranquille. Pour les maintenir actifs, les résidents qui le souhaitent sont associés à la vie de la maison. Dans la supérette tenue par des bénévoles, ils continuent à faire leurs courses. Sauf qu'ici, tout est gratuit. C'est ça que je voulais choisir, comme ça moi je ne peux pas... Mais moi je pense qu'elles sont toutes dures. Vous voulez quelque chose en particulier? Non, non, non. Voilà. Nicole, des pains au lait. Pour Nicole, c'est très important d'avoir cette mission de faire les courses. C'est elle qui fait les courses pour la maison. Si vous voulez. Voilà. Oh ben oui, mais oui, sûr. Elle aime bien. Là. À travers la maladie, on a le sentiment de perdre cette utilité. Alors, en faisant la vaisselle, en faisant à manger, eh bien, je sers à quelque chose. Je suis capable encore de faire à manger pour moi, pour les autres. Je suis capable de laver le linge, je suis capable de plier. J'existe, quoi, à travers tous ces gestes du quotidien. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. L'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, étudie l'impact de ce cadre de vie sur les malades. Voilà. Il est encore trop tôt pour faire le bilan, mais les soignants constatent déjà une amélioration des comportements. Allez, au revoir, messieurs, dames. La température de l'eau, Francis, ça va? Oui, c'est bon, je ne crains pas. C'est à la ferme, il n'y a pas toujours eu le chauffage. Hein. Ah, il n'y avait même pas d'électricité. Le salon de coiffure de Nathalie est situé au cœur du village. Francis s'y rend le plus souvent possible. C'est un moment agréable toujours ici. Pourquoi? Il y a un peu de convivialité, des gens qui sont sympas. La maîtresse des ciseaux, là, elle est quand même bien agréable. Francis, il vient me voir des fois le matin, juste pour me dire, ça va, là, t'as bien dormi, on va prendre un café, j'ai rien à foutre ici, je m'emmerde, c'est ce que tu dis. Et donc, on en parle tous les deux, et puis je lui dis, ben voilà, Oui, je suis un peu cloisonné ici, avec la maladie qui rôde en permanence. C'est pas simple tous les matins. Ce village est important pour vous, alors? Ah, pour moi, oui. Vivre dans le village est un privilège. Plus de 200 personnes sont sur liste d'attente. Venez voir le salon, Guylaine. Venez voir le salon, notre nouvelle Francis, nouvelle villageoise. Nouvelle villageoise. Francis est venue de son plein gré, mais d'autres, comme Guylaine, sont placés par leurs proches, souvent à court de solutions. Ici, quand même, c'est, je dirais, d'entrée, quoi, ça donne confiance. Et il n'y a pas de place vide, quoi. C'est plein tout le temps. Il y a quelqu'un qui part, pour une raison ou pour une autre, et hop. Alzheimer est une maladie incurable. La plupart des résidents termineront leur jour ici. Mais en quittant le village, ils feront aussi des heureux. Guylaine attend sa place depuis 1 an et demi. Le début des petites affaires. Voilà, par exemple ça. Tout ça, tu peux ranger dans ton placard qui est là. Ouais. Jusqu'à présent, Guylaine vivait seule en Normandie. Hop là. Ses enfants lui ont apporté ses meubles pour qu'elle garde quelques repères. Le séjour ici lui coûtera 1740 € par mois, un prix qui varie en fonction des revenus. Non, moi je trouve c'est pas mal. Hein. Là, je vais mettre ta petite chaise devant. Ça te va? Tes petits jeux, tes petits livres. Guylaine a eu 4 enfants et 14 petits-enfants. Ah bah la photo de papa, toujours à côté de son lit. Tu pourras la mettre sur son chevet, Mathieu, s'il te plaît. Comme la plupart des malades d'Alzheimer, sa mémoire ancienne est intacte. Maman faisait des nattes tous les matins. Et le dimanche, j'avais 3 anglaises. C'est sa mémoire immédiate qui lui fait défaut. Récemment, elle a oublié de prendre sa clé pour partir. Donc elle était enfermée dehors. Quand tu avais fait bouillir, tu sais, ton eau, ça avait débordé, c'était passé sous la plaque induction. Ah ouais. On a retourné le problème dans tous les sens. Et puis voilà, on pense que c'est la meilleure solution. Asseyons-nous. Voilà, pour le même bruit, on va s'asseoir. Francis ne perd jamais l'occasion de rencontrer les nouveaux venus au café du village. Alors, moi, je m'appelle Guylaine de La Forge. Avec l'espoir qu'il soit encore capable de tenir une conversation. Et donc, alors, la question, c'est pourquoi et comment vous êtes venu par ici? Ben, c'est le seul village Alzheimer que je connais. Il y en a qu'un, alors. Ben oui, c'est quand même agréable comme site. Hein, ah, il y a pire, il y a pire. C'est aéré, c'est tout. Ah, oui, c'est neuf, c'est propre. Voilà, oui. Il y a eu une période de rodage, je suppose. Je ne suis pas arrivé des tout premiers. Oui. Dès qu'après, bon, il y avait une place qui s'est libérée. Bon, vous la voulez pas. J'ai eu le coup de téléphone le matin et à 10 h, je faisais la valise. Ah. J'ai plus de chez moi, en fait. Chez moi, c'est ici. C'est vous qui avez choisi de venir là? Ben, un petit peu par la force des choses, oui. La difficulté, c'était pour moi de continuer à vivre comme avant et à me déplacer en voiture comme avant. Et je m'étais bien rendu compte que conduire, oui, c'était possible, mais ça devenait dangereux. Parce qu'il pouvait y avoir les 3 secondes de perte de conscience qui pouvaient être extrêmement dangereuses. Donc, à un moment, il faut arrêter. Parce que je me mets en danger, je mets les autres en danger. Donc c'était hors de question de continuer comme ça. Et ensuite, comme j'étais seul à la maison, ben, je n'avais pas d'autre solution que de trouver un endroit comme ici. Mon métier à moi, c'était paysan. Ah oui. Ah oui, dans la maïsiculture. Ah oui. Et dans la production d'asperges. Vous avez été marié? Non. Oui, un peu, oui. Un peu seulement. 2 fois. Non, mais deux fois. Une femme, c'est épaule quand même. Dans ses... deux échecs, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez. Bon. Mais... bon, mais vous, moi, je vous parle de moi, mais vous parlez rien, vous dites rien de vous, là. Moi, j'ai épousé un paysan. On s'est connus au début de l'été, et en septembre, on était mariés, quoi. Bon, voilà. Vous avez été mariés? Ah oui, oui, mais ça, c'est encore autre chose. Bon. Les choses ne sont pas passées comme il faut. Bon. Ah, ouais. Malheureusement, ça arrive. Ben, bon, c'est comme ça. Bon alors quoi. T'es perdu. Hein? T'es perdu? Mais non, t'es pas perdu. C'est chez toi. Je suis perdu. Non. Vous voyez, là, derrière moi, là, c'est le copain de mon village. Mm-hmm. il était très bien il y a 6 mois. Et là, il est complètement à l'ouest. Hein. Il ne sait plus où il est. Alors, il vient qu'à l'hôpital. Michel, est-ce que vous voulez boire le chocolat? Hein? Non, pas pour l'instant. Est-ce que vous avez envie de marcher, Michel, un petit peu? Hein? Oui? Elle est souvent assise comme ça? Oui, elle est fatiguée. Michel est très fatiguée. D'ailleurs, on fait un accompagnement vraiment dans le confort. Hein. C'est pour ça qu'elle se lève très tard, on la laisse dormir. Parce qu'elle est bien fatiguée. Venez, Michel, si vous voulez marcher un petit peu. Voilà. Ouvrez les yeux un petit peu, Michel, quand même. Oui, parce qu'elle n'ouvre pas les yeux. On va la faire marcher un petit peu. Tout à l'heure, elle n'est pas très stable pour lui. Michel, vous allez faire... Ah, voilà, les yeux ouverts, Michel, un peu. C'est très bien. On est là, Louis. On est là, regardez. Je tiens Michel, vous savez, elle ne tient pas très bien. Hop là. Voilà. Alors la déambulation, ça c'est un symptôme de la maladie. Hein. Quand elle est un peu avancée, il déambule beaucoup. Souvent, ce sont des angoisses. Besoin d'éliminer ces angoisses par la marche. Mais le problème, c'est que des fois, c'est la marche jusqu'à l'épuisement. À nous, à essayer d'évaluer à ce qu'ils n'en arrivent pas là, quoi, parce qu'ils ne savent pas non plus gérer, qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ça va, Louis? Respirez fort, hein? Louis marche toute la journée. Vous respirez fort, Louis? Hein? Épuisé, il a fini par tomber et s'est blessé à l'œil. Par là? D'accord. On va par là. Quand on la voit là, c'est dur. Et puis elle n'est pas toute seule, enfin, elle est vraiment diminuée. C'est pas Dieu possible, quoi. Je ne vais pas finir comme ça. Et vu la santé physique que j'ai, c'est peut-être ce qui pourra m'arriver. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de vraie solution. On a beau s'en occuper, il n'y a pas de solution. C'est ça. Quand la nuit tombe, les angoisses des malades remontent et leurs troubles s'intensifient. Madame Farbe? Oui. Venez, Janine. Parce qu'ils vont me rendre sauvage. Non, venez. C'est en face, votre quartier. Hein? Je suis contente de vous avoir. Oui. Ça va? Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons malgré... Chaque jour, Francis se bat pour garder ses capacités cognitives. Dès que possible, il participe aux activités proposées au village. Le ciel, le soleil, la mer. La musique a un effet positif sur les malades d'Alzheimer. Elle stimule leur capacité mémorielle et leur aptitude à communiquer. Vous aimez bien chanter? Ah non, je chante comme une casserole, moi. Et j'ai pas d'oreille, Mais vous participez quand même, si vous ne disiez pas trop. Bien sûr, bon, si je dois venir ici pour poser mes fesses sur une chaise et puis ne pas participer, c'est pas la peine, autant que je reste dans ma chambrée, là-bas. Bon, je cherche quand même un petit peu de convivialité dans ce monde un peu compliqué. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te voir. Et j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Ce matin, Valentin fait sa première tournée seul. Il doit administrer les médicaments aux résidents. Bonjour Patricia. Ça va Valentin? Tu vas bien? Toi? Ça va. Égounonne, comment on dit chez toi? Égounonne, mais bon, je parle pas du basque, moi. Wow. Trop, hein, un petit peu. Moi, j'ai appris quelques mots avec... Je change, je regarde, j'arrive pas à enlever la... C'est la fin du... Celui-là, c'est le 9 ou le... Ça, c'est le 9. Okay. C'est la fin du... Tiens, regarde, c'est bon? C'est la fin de la boîte. Wow, ah, mais voilà, il fallait la force d'un homme. Voilà, ouais. Les dégâts causés par Alzheimer sur le cerveau sont irréversibles. Avec des antidépresseurs ou des neuroleptiques, Valentin peut seulement atténuer certains symptômes. Madame Domer, je suis l'infirmier. Je suis... Attendez, il faut que je réfléchisse bien et pas trop de cons. Et puis... Je vous apporte de l'eau, tenez. Ah mais non, mais moi j'ai peur de l'eau. Alors, comment? Vous avez peur de l'eau? Alors, c'est un petit peu d'eau, mais ce sont vos gouttes du matin. Ah bon, bah, c'est pour la santé. Bah, c'est pour la fantaisie, tout ça. Non, c'est pas la fantaisie, c'est pour la santé. Ah bon, est-ce que vous voulez bien prendre le fond d'eau avec moi? Si vous voulez, je me prends un verre aussi. Qu'est-ce que c'est comme frère et d'eau? Non, ce sont vos médicaments, ce sont les gouttes qui sont dans l'eau. Vous voulez bien les prendre? Ils sont dans l'eau, mais s'ils se noient, qu'est-ce que je fais? Oh, bon, ils vont pas se noyer, vous inquiétez pas. Vu le fond d'eau, ils ont pied, je pense. Hein. Ah oui, je me méfie, mais quand même. Tenez, madame de mer. C'est pas épais. Oh, quand même, ça va. Ah, vous êtes sûr? Bah oui. On traite, santé. C'est bien. À la vôtre, allez-y. Oui, bah, il y en a 3 de morts. On voit? Oui, oui, ça se voit bien. Il faut être très, très vigilant quand il y a des trucs comme ça. Mmh, c'est sûr. Parce qu'il y en a un qui reste. Hein, Vous voulez pas essayer de le boire avec moi? Je veux bien, mais j'aimerais bien plutôt avoir une voiture. Bon. Là, je crois que ce sera pas pour ce matin. Mmh, merci. De rien. La consigne est de ne jamais contredire un malade. Les contrariétés déclenchent parfois des troubles du comportement. Ce n'est pas dangereux de retarder la prise du médicament. Je vais plus me mettre en difficulté et mettre le patient en difficulté à vouloir insister sur la prise du médicament et je ne vais pas du tout arriver au résultat que je veux si je le force. Rien que de passer du temps avec lui, si on arrive à la fin à justement limiter cette phase d'agitation ou d'anxiété, ça veut dire que c'est un médicament de moins donné, quand même. Et puis c'est même plus épanouissant, que ce soit pour le soignant ou pour le villageois. Oh, mais il y a du monde, hein, déjà, Colette. Allez-y. Sur les pieds, levez les pieds. Au village, c'est jour de fête. Un bal est organisé à l'occasion du carnaval. Et alors, qui c'est qui danse? Madeleine, vous savez danser, oui? Avec le loup, hein? Et c'est le carnaval, Madeleine. Comme ça, olé. Et comment vous appelez? Pascal. Pascal. Voilà. Au milieu, Marie-Claire, du rang. Allez, Marie-Claire. Et en dandine, allez, en dandine. Oh, allez, on bouge les fesses. Mais non, c'est la samba. Oh là là. Madeleine est là. Oh lé lé. Oh lé. marchait là-bas il y a 2-3 jours, il ne marchait pas. Hein. Là, il était en train de danser avec moi. Hein. Et alors qu'il a toujours dansé toute sa vie. Hein. Il allait dans les boîtes de nuit et tout, il nous a toujours raconté. Et là, du coup, non, non, c'est vraiment... je ne sais pas s'il y a réellement les mots pour voir comment ils sont bien à travers la danse et la musique. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Hein? Mais c'est juste que vous êtes à Dax, au village, vous vous rappelez? Oui, vous savez pourquoi vous êtes là? Ah non, mais parce que vous avez des problèmes de mémoire. Hein. Oui, on a, non, je pensais que c'était pour que l'âge qu'on pouvait faire. Avec l'âge et parce que vous avez des petits problèmes de mémoire. Voilà, d'accord? Voilà. Et bien voilà. Hein? Voilà. Et ça va aller, Lisette, hein? Colette, pardon. Lisette, elle est à côté. Ah, mais c'est bien, mais j'ai mal à une jambe. Mais moi aussi. Je vais passer le temps. Bon, je peux dire que je m'épanouis complètement, là, parce que c'est exactement la définition que je m'étais donnée de mon travail quand je suis rentrée en formation. C'est-à-dire? C'est-à-dire accompagner les personnes, mais réellement accompagner à leur rythme, être à leur écoute, et essayer de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir à certains moments. Et moi aussi, apprendre des choses, parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses aussi. Hein. Ils ont une expérience de vie extraordinaire. Et malgré des oublis, ils se rappellent des choses très intéressantes. On passe des très bons moments. Les résultats de l'étude menée au village landais sont très attendus par la communauté médicale. En 2050, Alzheimer pourrait toucher 3% de la population européenne.